Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo de trading qui va résumer mon trading du 13 octobre 2016. Alors journée très intéressante pour moi intellectuellement sur mon trading puisque j'ai essayé de nouvelles choses, j'ai testé certaines choses en démo qui ont très 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 bien fonctionné, il reste à le mettre en production bien entendu à partir de janvier 2017, cela je suis en train de réfléchir à un trading à la fois beaucoup plus agressif, en taille de lot, et avec en espérant bien entendu une rentabilité largement supérieure, parce que je vais mettre beaucoup plus de capitaux à partir de janvier 2017 que les capitaux à l'heure actuelle. Donc au lieu de trader à de lot, je peux faire des poussées à 5, 10, 15, 20 lots potentiels. Donc je me suis un petit peu entraîné à ça en fait sur futur essentiellement. Alors mes résultats sur futur sont absolument nuls, hein. J'ai une perte d'une trentaine d'euros dans la journée. Oui, j'ai quasiment fait aucun trade sur futur, mais en fait sur futur je me suis entraîné à faire du pyramidage agressif en démo avec un potentiel de 16 lots maximum. Je me suis arrêté à 16 lots. J'ai été pris en fait dans le truc et sur futur j'ai fait que ça toute la journée. Ça m'a vraiment extrêmement stimulé et intéressé. Et puis sur CFD, j'ai mis par contre là en mode application réelle une technique assez agressive sur le Dow Jones 30. Une technique où j'attaque à 4 lots pleins sur CFD, ça revient à 40 $ le point sur le Dow Jones 30, donc ça va très vite. On va voir le relevé, puis je vais vous montrer deux ou trois trades vraiment précis où j'ai pu, entre guillemets, attaquer à ce moment-là. Alors, hop, si ça veut bien bouger, on va voir les trades sur CFD. Donc voilà l'interface, on va voir l'historique. Voilà donc l'historique de la journée. Bon, c'est ouvert en double. Hop, historique de la journée. Donc des trades à 4 lots, bon 2 lots maintenant, c'est mon rythme hein, sur le DAX. Des trades à 4 lots en permanence. À l'achat à la vente sur le Dow Jones 30 et qui ont donné des résultats assez intéressants. Là on a 422 €, alors c'est converti, hein, c'est des dollars qui sont convertis ensuite. 422 €, 621 €, 476 €, une perte de 355 €. Là j'ai pris mon stop, quelques tentatives à nouveau pour essayer de gagner des points que j'ai entre guillemets coupé parce que ça commençait à avorter, 97 €, 7 €, 43, 25 et un petit dernier juste à la fin à 21 h 30 avant la clôture de 404 €. Donc ça fait peu de trades, mais c'est des trades qui sont hautement rémunérateurs. Et donc c'est un peu ma nouvelle technique pour scalper le Dow Jones. Au lieu de mettre un lot, j'en mets 4. Donc là sur ProAltime CFD, les lots pleins sont à 10 € le point. Donc ça fait 40 $ le point. Ça représente 8 mini lots sur le futur et mini. IM sur futur, ça représente 8 lots en fait. Donc ça va très 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 vite. Et c'est un trading qui me plaît bien, donc on va essayer de regarder, hop là, pousse-toi mon ami, merci, de regarder un petit peu ces trades-là et j'essaie de vous expliquer un petit peu la logique en fait de ces trades. Alors fondamentalement, la logique de ces trades, c'est bien repérer les supports, bien repérer les niveaux parce que ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Et quand je vois qu'on arrive sur un support sur futur et qu'on s'apprête à rebondir, je me mets à prendre position pour essayer de profiter bah, par exemple de ce type de bougie extrêmement violente. Donc on va regarder hop, tout ça plus en détail, je vous agrandis. Donc j'ai commencé à trader juste l'après-midi, donc on va revenir sur du 15 h 30. Voilà. Donc, ouverture de la bourse américaine 15 h 30, et on va voir un petit peu la logique. Alors, détail important,
Ce que vous voyez là, c'est un graphique sur futur. Alors, je trade avec les graphiques sur futur. Pourquoi? Parce que c'est les graphiques qui sont suivis par les professionnels, les algorithmes, etc. Et que tout ce qui est point pivot et tout ça sont déterminés par rapport à des cours réels, c'est-à-dire entre 8h du matin et 22h. Je ne prends pas les graphiques CFD, entre guillemets, puisque les graphiques CFD, bon, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des cours qui sont parfois 24 heures sur 24. Donc, entre 8h et 22h, ça suit les cours des futurs. Et après, c'est des estimations des brokers. Et tous les brokers CFD qui vont coter la nuit vont avoir des estimations totalement différentes. Donc, les points pivots sont totalement différents. Et entre 10 brokers CFD différents, on aura 10 points pivots différents, 10 supports hebdomadaires différents, 10 supports mensuels différents. Donc, je prends, j'allais dire, les supports officiels sur futur de 8h à 22h. Et quand je vois quelque chose sur lequel je peux intervenir sur futur, alors je prends soit position sur futur, soit position sur CFD, ça revient exactement même, hein. Le but du jeu, c'est que quand on touche là, on est en rebond, donc quand on rentre à ce moment-là, que ce soit sur CFD ou futur, si ça rebondit de 10 points, on peut éventuellement choper 10 points. Alors pourquoi je ne suis intervenu que sur CFD? Parce que j'étais en mode démo sur mon pyramidage sur futur, donc ça me prenait tout l'espace et l'interface. Donc j'ai préféré prendre les trades sur CFD pour avoir un écran vraiment démo futur, un écran vraiment trading actif réel sur CFD. Alors on va regarder un petit peu les trades. Alors autre chose, bien entendu. Les cours des futurs des CFD ne sont pas les mêmes, sauf à la fin du mois où ils se touchent. Là, à l'heure actuelle, on est au mois d'octobre, on a 80 points de différence entre les cours des CFD cash et les cours des futurs. Donc, ces 80 points, comparaison, vous voyez là, 17 871 sur futur, vous rajoutez 80 points et ça correspond à 17 950 sur CFD. Il y a des articles sur le blog qui les expliquent. Je les ai expliqués dans la file du jour quasiment toute la matinée. Donc, vous trouverez toutes les informations si vous ne maîtrisez pas le fait qu'il y ait un décalage dans les prix entre le cash et le futur. Mais on s'y retrouve vraiment très bien puisque la base de mon trading, c'est un trading sur support et donc profiter des rebonds que l'on a systématiquement sur les supports. Voilà, on peut le voir là, hein, très, très simplement, ouverture des futurs américains à 15h30 et on constate que chaque premier passage de support, on passe légèrement dessous mais on remonte. Donc on a bien là, par exemple, pour le premier passage, si on prend l'ouverture ici à 17h, à 17h30, on touche le support, on rebondit, 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 on touche le support, on rebondit. Je ne vais pas tous vous les faire, mais ça marche sans aucun problème. J'insiste bien à chaque fois lors du premier passage. C'est là où on a le taux de réussite maximum. Et donc, je me suis appliqué à faire un petit peu ce trading. Voilà, le plus beau trade là, ça a été un achat sur 17 982,4 sur CFD. Donc on retire hop, 80 points. On va le voir. Voilà. On arrive là. Donc c'est un achat à 17 982. Donc on est à peu près sur du 17 900. 4 lots, hop, je vous mets là, on voit mieux, voilà, 4 lots, donc on rentre tout de suite de manière assez forte, et on a un petit up de 17 points pour aller chercher les 18 000 points. Alors, si vous regardez bien, j'ai acheté sur le cash en dessous les 18 000 points, quasiment systématiquement, dès que c'était possible, pour essayer de revendre au plus proche des 18 000 points. C'est-à-dire que j'utilise le graphique avec les points pivots des CFD pour m'aider à prendre position, mais par contre, ça peut être le cours du cash qui me donne
Mon tempo de sortie. Alors pourquoi je suis sorti pile à 17 999,6? Parce que quand on atteint 17 989,6 sur le cash, il y a des chances que l'on se mette à refluer systématiquement. C'est un niveau symbolique et on le voit là par exemple. Là, on rajoute 80 points. On voit que quand on est arrivé sur les 17 800 sur le cash, on est monté à 17 805, 6, 7. On s'est mis à refluer. Donc moi, je suis simplement rentré là. Ici, on a un rebond. On commence à avoir une accélération. Je suis rentré sur l'accélération. Je l'ai accompagné. Et mon objectif, en fait, c'était le support 2 hebdomadaire à 17 913. Donc, il donnait 17 993. Et bon, je l'ai accompagné un tout petit peu plus haut que mes prévisions. C'est pour ça que c'est un beau trade pour moi. J'avais pour objectif de prendre 10 points, c'est-à-dire rentrer à 82,4, sortir à 94,4, mais on a été un petit peu plus au-dessus. Donc le 94,4, il sort pas de n'importe où, c'est ici. 17 913, le support de hebdomadaire, plus 80 points, ça fait 17 993. Donc je suis rentré sur cette bougie avec objectif de sortir là-dessus. Sur ce niveau-là, bon, j'ai pu sortir sur ce coup-là un petit peu plus haut. Donc c'est ce trade-là. Ensuite, on a d'autres trades dans la journée qui correspondent exactement toujours à des accélérations comme ça. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est là j'ai les bougies en 1 minute, hein, mais bien entendu pour pouvoir percevoir les accélérations, j'utilise Elkenashi en 21 ticks. C'est beaucoup 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 plus limpide pour pouvoir les accélérations. On va se remettre par exemple sur du 16h41. Là, vous voyez, on voit vraiment, on descend, on va rechercher, on a un petit souffle, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus limpide pour pouvoir trader, de voir partir les bougies en fait en 21 ticks. Et on a le 1 minute à côté qui nous, entre guillemets, permet de tenir un petit peu plus longtemps pour aller chercher 10, 15, 20 points sur notre ami le Dow Jones. Je vais vous montrer le trade. Bon, après, il y a notre trade à 476 euros. Vous voyez, c'est exactement le même principe, hein. Ça a été quasiment la même ligne de départ pour finir là aussi sur les 18 000 points sur le cash qui était vraiment difficile à passer. Donc, vous voyez, c'est quasiment les mêmes trades. Alors, ça fait quand même 150 euros d'écart. Parce qu'il y a 5 points d'écart et que ça va extrêmement vite. Quand on prend 40$ le point, on a 3 petits points de plus, c'est tout de suite 120$ de plus. Donc on va regarder maintenant la plus grosse perte. Alors la plus grosse perte, elle est due à une anticipation de ma part. Alors cette anticipation, on va aller la voir. Voilà, hop, on est ici. Donc on commence à s'approcher des 21 h, qui est une zone clé pour moi. Et j'ai mon support 1 hebdomadaire qui est à 18 035. Alors support 1 hebdomadaire à 18 035, vous mettez à rajouter 30 points, ça fait 18 115. Et voilà, c'était ma grosse erreur, j'ai voulu anticiper, hein. Anticiper cette chose-là, c'est-à-dire que je me suis mis à vendre un petit peu trop bas. Et je me suis basé sur le cours du cash. Donc je pouvais vendre au-dessus de 18 100 et je me suis mis à vendre légèrement dessous. Donc après, ça a été un petit peu plus dur. Et quand j'ai vu qu'on remontait à nouveau, parce que je suis mal rentré. Et quand j'ai vu qu'on remontait de 10 points à 18 108, j'ai préféré fermer tout de suite que le voir monter à 20, 25, 30 et me faire complètement exploser ma journée. Donc j'ai complètement terminé, encaissé la perte. Donc quand on commence à mettre, j'allais dire, du poids, beaucoup de poids en nombre de lots pleins, l'équivalent de, enfin pour moi, l'équivalent de 8 lots IM futur, ça commence à faire un petit peu de poids. Il faut savoir couper ses pertes tout de suite.
tout de suite, ça sert à rien d'attendre. Si on attend sur un indice comme le Dow Jones, il peut prendre de 10, 20, 30, 40, 50 points. Et là, à 40 $ le point, vous retrouvez rapidement à moins 2 000 $ et ça peut encore s'accentuer. Donc j'avais 10-15 points en fait d'autorisation, entre guillemets, de marge de manœuvre, de souplesse. Bon, je savais quand même que j'avais déjà gagné pas mal d'argent avant. Là, j'étais déjà à 1 700 euros avant de m'en prendre cette petite claque de 355 euros. Donc, avec 1 700 euros d'avance, je pouvais me permettre jusqu'à 500, 600 euros, mais j'ai préféré couper avant. Donc ensuite j'ai fait quelques petits scalps pour essayer de remonter un peu la pente. Et le dernier scalp là est intéressant. On va le regarder de manière détaillée. Donc là c'est une entrée sur 18 123. Alors voilà, on est sur ces niveaux-là, et là vous voyez, on hésite, on hésite, on hésite, on redescend un peu, on revient chercher le support à mensuel, et en voyant ça graphiquement, j'ai simplement regardé les supports. Un truc aussi bête que ça, je me suis dit quel est le prochain support à aller chercher sur le cash. Alors sur le cash, on n'en avait pas, et sur futur, il fallait qu'on prenne 40 points, 40 points en ligne droite dans la dernière demi-heure, étant donné qu'on hésitait et qu'on rebondissait, ça me paraissait un petit peu possible, hein. J'ai vu des augmentations dans la dernière demi-heure de 150 points, mais par rapport à la tension qu'on ressentait, au fait que les indices étaient relativement calmes, et je commençais à percevoir une petite pression baissière, comme vous le voyez là. Donc je suis rentré à la vente quand on est remonté sur la bougie, et j'ai encaissé une dizaine de points. J'ai fait 18 123, 18 112. Alors petite déception bien 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 entendu. Donc pour vous montrer, j'ai shorté à 123,5, donc ça correspond à 18 143. Donc vous voyez, c'était ce que je vous dis. J'ai shorté le haut de la bougie. On est bien descendu. Et en fait, j'ai fermé sur le support 1 hebdomadaire, hein, parce qu'on rebondissait pas mal dessus. Donc là, j'ai encaissé mes points. Donc 11 points, un peu plus de 11 points. 4 lots, ça fait 44 points. Voilà. Alors après, effectivement, la suite de l'histoire, j'ai beaucoup hésité, hein, à revendre à ce niveau-là, mais bon, je l'ai fait, il commençait à être tard, il y avait le débat politique, donc je regardais en même temps, c'est un scalp sur iPad, hein, là. Et ensuite, on a en fin de séance, on a continué à descendre, et en fait moi j'ai soldé à 18 112, mais j'aurais pu solder à 18 100 sur le support suivant. Voilà, j'ai juste attiré votre regard sur le fait que l'on a l'importance des supports sur futur. On n'arrête pas de rebondir dessus, et quand on décroche, on va aller chercher le support suivant. On rebondit, on va aller retaper le support. On n'a pas arrêté de la journée d'aller chercher support sur support. On va peut-être le voir. Je vais vous le mettre voilà, un petit peu sur la journée. Donc 15 h 30, on est là, ouverture. Et regardez comme à chaque fois, on va chercher un support, et que quand on baisse, ce qui nous fait notre arrêt, c'est le support majeur. Là, on a le support de hebdomadaire qui nous a fait arrêt. On a rebondi. Ensuite, on a quoi? Ben, on a le support à mensuel. Alors, un support mensuel, c'est beaucoup plus fort qu'un support hebdomadaire. Et lui, il a tenu. Ça a arrêté la baisse. On a rebondi. On est revenu, entre guillemets, chercher le support à mensuel. On a réagi violemment. On s'est retrouvé à nouveau bloqué par le support de hebdomadaire qui nous a fait une rechute. On est revenu taper sur le support à mensuel, on est repassé à nouveau à l'attaque. Le support de hebdomadaire, même si vous mettiez à le vendre à ce moment-là, vous aviez largement de quoi gagner de l'argent. On voit, on a des bougies, on perd une dizaine de points, et ainsi de suite. Et on va aller chercher support sur support, résistance sur résistance. Il y a une sorte de logique, de fluctuation.
Et vous le remarquerez, si vous êtes un petit peu curieux et que vous faites défiler les jours, les points bas sur le Dow Jones, les points bas sur le DAX 30, c'est souvent un support et un support fort. Par exemple, hier, le point bas du DAX 30, c'est très simple, c'était le support mensuel. On l'a touché à l'unité près, au tick près sur le futur et on s'est mis à rebondir comme un fou. Là aussi, nouveau support mensuel, on touche au tick près et on rebondit, bon, peut-être pas comme un fou, mais en tout cas on rebondit pas mal. On a quand même 30 points, hein, donc c'est pas mal. Donc voilà un petit peu la logique de mon trading sur le DAX. Donc mettre beaucoup de poids dans une opération par rapport à mon capital que j'ai actuellement sur CFD. Je mets pas mal de poids. Je suis prêt à sortir extrêmement vite. Faut pas hésiter. 10 points, je sors. Et si trouver des scénarios à forte probabilité, puisque là sur le... Ah, il s'est mis en grand, je le remets. Là sur le Dow Jones. Hop. Voilà. Donc là sur le Dow Jones, à 4 lots, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trades. Donc en fait j'ai fait 11 trades. J'ai un trade perdant. D'une dizaine, un peu moins d'une dizaine de points, mais ça aurait pu être 10 points. Et j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 trades beaux, vraiment beaux, qui dépassent les pertes largement du trade perdant. Donc j'avais dit 11, vous voyez 4 trades gagnants, très fortement gagnants, un trade perdant, stop, stop, touché. Et on a 7 autres trades qui sont en fait, alors bon, il y en a qui sont pas mal, hein, 97 euros, on va pas cracher dessus, mais en fait, ce sont des tentatives justement pour essayer de choper des trades à 10 points, à 400, 500, 600 euros. À chaque fois, c'est des tentatives. Là, c'était une tentative. Là, c'était une tentative. Alors oui, la tentative 21,5, 20,5. Et quelques minutes après, on est revenu sur 23,5. J'ai retenté en fait exactement le même scénario, un poil plus haut. Et là, ce coup-là, ce scénario, il a fonctionné de vente. Donc là, vous voyez, c'est tentative d'essai et tentative réussie. Là, c'était une tentative de put au-dessus de 18 100 pour un retour en dessous. J'ai vu rapidement que ça n'avait pas l'air de marcher, on stagnait, donc bon, je suis sorti le plus rapidement possible. Effectivement, après, on a repris 20 points, donc chouette, etc., etc. Donc, vous voyez, là, c'est des petites tentatives. Là, c'est une tentative aussi, on le voit, vous voyez, 72,84, 422 euros. On reflue ensuite. Je retente de refaire un 77, 84, 99, etc. Marche pas trop, donc je sors assez rapidement. Ce qui était une erreur, puisqu'il a continué, d'accélérer, et là je suis rentré après l'accélération. Quand je voyais vraiment là, c'était bien parti, et j'ai fait 82,4, 99. Le trade parfait, ça aurait été 77,4 à conserver et l'amener justement jusqu'à 99,6. Mais vous voyez, je n'hésite pas s'il y a un doute qui commence à s'installer. Si ça ne réagit pas en fait comme je le pensais, je préfère couper. Là en fait, je pensais que ça allait passer de 77 à 99 en ligne droite. On a eu une stagnation, ça a hésité, ça a remonté à 80, ça a un peu reflué. J'encaisse, c'est déjà vert. Donc voilà un peu l'ordre d'idée. Je ferai certainement avant la fin du mois un webinaire sur les points pivots. C'était des questions qui ont été très très débattues. Dans la file du jour, je vous encourage à travailler les cartes. À travailler les cartes, c'est prendre une journée comme ça. Mettez les points pivots journaliers, hebdomadaires, mensuels. Mettez les middle, les intermédiaires. Là, pour alléger, vous en avez pas. Je lisais. Bon, j'ai pas mis les journaliers, mais je les ai sur tout graphique. Et regardez si vous voyez une cohérence. Si d'après vous, ça a l'air de fonctionner. Voilà pourquoi on se met par exemple à stagner sur ce niveau-là. Ça représente la middle S2 hebdomadaire. Alors là, vous allez me dire, mais là, on se met à stagner et ça correspond à rien. Que nenni, que nenni. 17 920, ça correspond très précisément. Vous rajoutez 80 points,
aux 18 000 sur le cash. Ça correspond aux 18 000 sur le cash. Donc c'est pour ça, c'est tout l'intérêt d'avoir à la fois futur et CFD, au moins avoir les cours, hein, sans forcément trader sur les deux, même si c'est un énorme avantage, ne serait-ce qu'au niveau sécurité, et puis on peut faire des choses très intéressantes, j'en parlerai sûrement une autre fois, mais ça vous donne vraiment des indications sur votre graphique. Si vous avez les deux, vous comprenez en fait ce qui se passe en permanence. Là, les gens qui sont sur CFD, comme ils n'ont pas les mêmes supports un mensuel, voilà, ils n'ont pas compris pourquoi on s'arrêtait là systématiquement. Pour eux, si vous regardez les graphiques CFD au même moment, c'est dans le désert. Pourquoi on a rebondi là? Ils savent pas. Pourquoi on a rebondi là? Ils savent pas. Et là non plus. Là, c'est clair, on est sur futur, on voit pourquoi ça rebondit. Et même chose, là. Tout ce qui est la stagnation pendant, on va dire, quasiment 36 minutes, presque 40 minutes, si on a juste un graphique sur futur sur les yeux, on ne comprend pas la logique. Par contre, si on sait que ça correspond aux 18 000 points niveau ultra symbolique sur le Dow Jones, ben on a tout compris. Voilà, donc ils sont complémentaires et. Très très efficace quand on réussit à les trader en simultané, ça nous donne des informations vraiment vraiment très 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 intéressantes. Donc voilà pour ce soir. Je vous souhaite une belle journée de trading pour demain. Soyez prudents. Vendredi, marché un peu nerveux. On vient de sauver des supports majeurs. Hein, on vient quand même de sauver en séance les 18 000 points sur le Dow Jones. C'est pas rien, on a été tapé les 17 950. Hein. Donc, ouf, sauvé. Pour combien de temps, ça on ne sait pas. Donc, ça risque d'être très très nerveux, surtout vendredi après-midi. Et l'objectif, bien entendu, c'est de s'en sortir vivant et qu'on retrouve tout le monde le lundi. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker. C'est le seul retour que je peux avoir pour voir si ça vous intéresse. Et puis j'essaierai de revenir sur d'autres techniques de trading que j'utilise et peut-être faire des vidéos très 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 spécifiques sur telle ou telle méthode. Mais là, voilà, le petit conseil du soir, regardez vos graphiques futurs, pensez au prix du cash, les niveaux symboliques, et on a vraiment beaucoup d'informations sur la respiration des cours avec toutes ces informations-là complémentaires.